Goedenavond, hier zijn we terug en vlug deze keer. We moeten snel werken vanavond. En naast me zit voor de man van de match, namelijk Grégory Delwarde, onze keeper. Bonjour. Grégory, première fois lors du match. Comment vous sentez à l'instant? Voilà, je me sens très bien. Voilà, je suis arrivé ici en connaissant déjà l'entraîneur, quelques joueurs et je me suis très bien intégré. L'équipe est très jeune et je pense qu'avec ma petite expérience, je peux apporter quelque chose à cette équipe. Et les joueurs l'ont bien compris et voilà, ils m'ont intégré dans l'équipe pour les aider et voilà, je suis là pour ça. Comment est l'ambiance dans l'équipe? Vous vous sentez bien? Vous venez de Mons, hein? Quelle est la différence Ostende, Mons? Vous habitez maintenant? Vous habitez Ostende? Ben, j'habite à La Panne. À La Panne, oui. La côte belge. Mais c'est un changement, c'est clair. Hein. Moi, je viens de Wallonie. Là-bas, c'est la ville, il n'y a pas la mer. Maintenant, il a fallu s'habituer à vivre par ici. C'est pas difficile. En plus, on a eu du beau temps pendant les deux mois de vacances, donc c'était bien. Maintenant, le groupe, moi j'adore. On a vraiment une super ambiance tous ensemble. Il n'y a pas de différence entre francophones et néerlandophones, et ça c'est le principal. Et si on veut des résultats, c'est par là que ça doit passer. La condition est très bonne pour l'instant. Vous tenez bien la condition, vous jouez bien. Les entraînements, c'est correct, vous entraînez beaucoup? Oui, on s'entraîne bien. On sait avec l'entraîneur Jean-Luc, on sait quand il faut mettre un petit peu les bouchées doubles et à un certain moment être plus calme. Donc je pense qu'il me comprend, il sait ce que j'ai besoin. Et de là, on peut faire que du bon boulot et être bien le samedi pour les matchs. Votre pronostic pour l'équipe d'Ostende cette année? Moi j'espère être, comme l'entraîneur le dit, j'espère être champion. Maintenant on sait que ça ne va pas être facile. Il y a beaucoup d'équipes qui... L'entraîneur veut être champion. Oui, l'entraîneur veut être champion. Hein, c'est toujours, de toute façon, il est toujours comme ça. C'est la première fois que j'entends ça. Il la presse aussi. Mais... Non, mais il est toujours comme ça. Il a toujours des ambitions. C'est pour ça que j'aime bien cet entraîneur. Il veut toujours viser le plus haut possible. Maintenant, si on atteint le tour final, je pense qu'on aura réussi notre saison. Et puis voilà, on verra à ce moment-là. Quoi. Mais maintenant, je pense qu'on ne doit pas penser à ça. On doit prendre match par match. Et on verra où ça nous mène. Voilà. Je crois que c'est très intelligent. Qu'est-ce que vous dites? Mais vous êtes l'homme du match. Et vous avez beaucoup de supporters qui ont voté pour vous. Je les remercie. Donc, vous gagnez un chèque de 25 euros pour aller manger au Charles Lindbergh. Aussi une bouteille de cava ici à l'horizon, c'est la taverne tout près du stade. Et maintenant, je ne vais pas tout. Oh, c'est beaucoup de travail. Je vais dire, prenez une feuille et on va tirer un supporter. Mais il y avait encore une question. Bij welke ploeg speelt ex-KVO-speler Sankaré voor het ogenblik? Zeer gemakkelijke vraag, beste vrienden. We zullen hem binnenkort ontmoeten tegen Bergen, Mons, onze vriend Sankaré. Dus al deze mensen hebben gewonnen. Hebben zowel op onze keeper gespeeld als op Bergen gespeeld. En ik zou vragen aan onze beste vriend Grégory om een briefje te trekken. En ik zou toch alle kritiek vermijden en toch de moeite doen om al die briefjes op tafel te leggen. Anders... Maar ik terug kritiek krijgen dat ik niet eerlijk ben. Grégory, prenez une feuille. On va faire comme il faut, parce qu'autrement. Voilà. En hij neemt iets, een blad volledig onderaan. En hij heeft hier een. Supporter namelijk De Bruyne Luc uit de Stokkelaan in Oostende. Hij mag rust nu naar het secretariaat komen om zijn cheque met de Charles Lindbergh om te gaan eten en ook de cava.
Dus ik herhaal, de Bruine Luc. Beste vrienden, nog een prettige avond en tot de volgende thuisbrek. Wedstrijd en ik zou zeggen, continuez comme vous êtes occupé. Merci. Encore beaucoup de succès. On va essayer. Au revoir. Dank u wel.